Et salut tout le monde, c'est Izu, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cube World et je suis toujours en compagnie de toi. Salut. On est en train de bien se goinfrer parce que là, on va entamer du lourd là. Ouais, il y a un gros boss là. Alors on a croisé du boss mais c'est pour l'instant c'est le plus dur qu'on a trouvé parce que c'est le seul qui nous a opposé de la résistance. Ouais, et c'est l'un des seuls fufu. Ouais, c'est un des seuls voleurs également. Alors je vais essayer d'attaquer le petit là-bas sans attaquer le boss, ok c'est... Première chose réussie, one shot. vous pouvez voir qu'on a un peu voyagé, enfin qu'on a changé de zone également. Et que bientôt on va se diriger vers de la neige. Vous verrez ce biome magnifique. Bon, t'es chaud? Attends, y'a rien autour. Prends tes potions. Je vais en crafter d'autres. J'ai plus de popo, tiens, on va en crafter, ouais. On va en crafter plein parce que. Ce boss. Il est assez costaud, on l'avait essayé hier. Mais là, on a pris quelques niveaux dans la zone, et ouais. Donc on va le retenter. On est passé niveau 37. Allez, ouais, parce que les monstres sont plus 3. Donc en gros, plus 3, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont, ils sont plus tanky, ils font plus mal, mais le stuff qui drop est beaucoup plus fort. Et l'XP aussi. Voilà, et l'XP est bien plus importante, du coup c'est très bien pour farmer. C'est plutôt pas mal. Allez, moi je suis full potion. Attends, je finis là. On est 28. Et on pourrait y aller. Alors. Ah oui, au fait, au passage, je sais pas si on vous l'avait montré, j'ai adopté un crocodile. Et moi j'ai un singe au fait. Je l'ai appelé la. Ah, t'as eu un. Ah, ok, j'ai attaqué le boss. Hein. Bien, attends, je mets le singe et on y va. Non, okay. je vais garder le heal. J'ai stun. Ouais, garde le heal, ça peut être très important. Je vais attendre qu'il ait plus de trucs. Oh, nice, le stun au moment où il allait me jump dessus. Essaye de me dire si jamais il y a des gens derrière. Non, il y a des personnes. Ok, j'ai cette stun, nice, j'ai stun. On lui fait plutôt mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, par rapport à hier déjà. Ah, t'as un bonhomme, pas loin. Ouais, c'est bon, moi je pense que je vais tourner autour d'un arbre, c'est la bonne solution pour le kite. Parce que quand je le tourne autour d'un arbre, il galère trop à. Ah, je l'ai aidé. Ok, distance, non, toujours pas. Ok, nice. J'ai toujours pas changé d'arc depuis la dernière fois. Putain, il m'a fait très très mal. Putain, il me défonce littéralement la gueule. Si t'arrives à le faire reculer, là, ça serait nickel. Attention. Ouais. Il a fait combien de temps dans le vide? On est allé. J'ai toujours pas réussi à le stun, dommage. Ah, j'ai raté. Ok, nice le stun. C'est sûrement de dropper son épée là. Elle est sympa. Ouais, ça serait plutôt pas mal. Ok, fais attention. Yes. Allez. Un sixième de vie. Allez, je me soigne. Si t'arrives à me faire reculer là. Ouais, c'est bon, je stun. Oh, il m'a touché le bâtard. Fais gaffe, t'as pris la roue. Cours, 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 je suis en train de me soigner. Essaye de venir en ligne droite sur moi. Je vois pas. Ok, nickel. Continue, continue, continue. Il a pris l'agro sur moi. Il stun. Ok, il restun, nice. On peut voir que le boss est... très tanky, très puissant. Très bon, ouais. Putain, le pire c'est qu'il court plus vite que moi en fait. Il courrait pas aussi vite. Il serait pas de diamant, mais j'aurais jamais pris de potion quoi. Là il court trop vite, du coup c'est très très très, très dur de le kiter. Surtout qu'il attaque vite et mal. Du coup, normalement avec les boss qui attaquent lentement, j'ai le temps de le stun avant qu'il m'attaque. Du coup, je perds jamais de points de vie. Là, bon là j'ai réussi à le stun avant qu'il m'attaque, donc c'est une bonne chose. Mais il met très cher. Oh, bien joué le stun. Ok, j'enchaîne les combos. Là je les restun. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait juste des monstres derrière moi. Ok, c'est parfait ça. Il est quoi, mid-life presque? J'ai du mal à le toucher moi. Ouais, bah je vois ça. C'est pas difficile. Pas j'ai que courir. Allez hop, je me casse. Je garde mes combos, je suis à 125, c'est bien ça. C'est à dire que tu fais très. Oh non, je l'ai raté. Au moins je dis ça. Allez hop, on esquive. Stun. Mmh.
Allez, je me soigne. Fais gaffe, il a pris l'aggro sur toi. T'as bien tenté pourtant. Fais gaffe, il tourbillole. Ok, il est stun. Bien joué ça. En fait, la technique c'est ça. Et si j'arrive à me cacher derrière un arbre, il arrête de m'attaquer. Waouh. Trop bien joué l'esquive. Oh, j'ai pas réussi à stun, je suis deg. Moi non plus, j'ai raté. C'est bon, il t'attaque. Oh, il a bloqué. Ah, oh, wow, wow. Oh, il fait super bien. Ouais. Allez, il est midlife, c'est pas le moment de perdre. Bon, faut que je retrouve. Je spawn un peu n'importe où. J'ai pris très cher. Reviens en deltaplane. Je sais que je vais essayer de ne pas ramener trop de monstres. Pire, okay, tu es sur le chemin. Je vais au-dessus de la plaine. Je te vois. Faut dégager le stun. Ah, c'est bon, je te vois en bas. Normalement, tu me vois arriver en haut. C'est dur de kite, ouais. Mais je te vois surtout avec plein de monstres au cul. T'es sérieux? T'en as certains, mec. Ça va être dur pour moi de choper les deux. Attends. Le guerrier est bientôt mort. Le guerrier est mort. Fais gaffe, le boss, il va peut-être te couvrir. Je m'occupe des petits là. Vas-y. Bon, ben je garde le boss en aggro alors. Boss stun. Costaud. Ouais, c'est pas évident. Ok, deux drops verts. Je crois plus qu'il y a des petits monstres. T'as chopé un bleu, c'est nice. C'est pour toi, je crois, en plus. Ah, désolé, excuse-moi, je l'ai poussé. Okay. Ah, vas-y, pousse-le. Ah, dommage. Non, il est... Ah, voilà, nickel, il stun. Faudrait qu'on arrive à coordonner nos attaques. Ouais, mais au pire, dès que tu l'as, tu me le dis. Dès que t'as ton truc, tu me le dis comme ça. Ou alors t'as juste à attendre. Tu vois que je fasse la tornade, je fais la tornade et tu lui fais reculer dedans. Ouais. Comme ça, si je stun dedans, ça lui fait super mal. Ah, j'ai mal à la main, j'ai la main toute crispée, mon gars. Ah, mais c'est scandaleux. C'est l'un des seuls jeux qui... Putain, je prends trop cher. C'est bon, j'ai réussi à acheter un... Oh, désolé, putain. Abusé qu'on aura tout le temps, quand même. Vas-y, si j'ai la tornade. Ouais, ah, c'est passé. Il est trop rapide. Ok, je me régène. Bon, du coup, si vous voyez l'écran tourner dans tous les sens, vous, peut-être que vous y comprenez rien. Moi, je comprends ce que je fais, hein. Vous donner le vent, le vomi, vous allez voir. Oh, bien le stun. Il y a un gros là-bas, un ogre, fais gaffe. Ouais, ouais. Il est pas encore là, mais fais attention. Ok, bien le stun. Bon, ça sort pas trop mal, je pense. Ouais, non, là c'est vraiment bien. Yes, c'est bon. Ok, 55 hits, c'est bien ça. Si j'arrive à stun, bien. Oh, j'ai fait très très mal. Ok, j'ai toujours pas perdu mes hits. Ah non, là je les ai perdus, dommage. Ok, je les stun, nice. Oula. C'est ça que j'aime aussi dans le jeu, c'est la dureté des boss. Allez, 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 il tombe, il va décéder. Tu vas te faire stun, oui. Une potion, j'espère que c'est la dernière. Un peu trop loin. Ouais,
j'ai raté mon stun. J'estime le stun là maintenant. Attends, je vais le faire, attends. Attends. Il est stun. J'espère que l'XP est bien par contre. Ah bah là il y a intérêt parce qu'on a la quête à finir et le boss donc. On boss plus 3, plus 1. Allez, bien ça. Putain, j'ai même pas gagné un niveau, mec. Moi non plus. Et je crois qu'on a droppé un truc pour mage. Oh non, ah, j'ai chopé des épaulettes violettes. Parfaites. Elles ont la classe en plus. J'ai un truc de rogue. Ah ouais, rogue c'est pour voleur, c'est pas pour moi. Bon bah très bien, bien joué toi, Arz. Bien joué à toi. Bah oui. Bah j'ai deux armes puissantes. Ça mérite un bon repas. T'es venu me battre avec une pelle. Enculé, oui. Bon mais bien joué. On va vers le biome neige. Allez, on va montrer ça. Ouais. Ah, les esquives. Moi je rush, hein, je prends pas le temps de les attaquer. Ouais, t'inquiète. Par contre, y'en a un, il a vraiment un bel arc. Je vais essayer de te le choper. Oh, ben, je reviens. Petit. Il est où? Ouais, je le vois. Il y a deux mages qui m'attaquent. J'essaie de me les faire. Ouais, je vais mourir. Ça fait trop mal. Il est mort? Ah, il a pas lâché. Dommage. Essaye de venir vers moi. J'ai des forces. Et moi je les ai tués. Et j'ai rien droppé. Mais c'est génial. Bon allez, on se casse. Très bien. J'espère que ce petit boss vous aura plu. Petit, ouais. Là, il faut surtout montrer le biome neige. Qui est super joli. Oui. Moi, après, je ce que je trouve si on l'a pas trop exploité encore. De quoi? On l'a pas trop exploité. On serait qu'on a. Ok, j'ai plus de Delta Plane. Je vais prendre très très cher à la retomber. Mais non. Du coup, je disais que dans le biome neige, tu sais, les petites fleurs là. Normalement, c'est des cœurs. Et ils sont rouges. Dans le biome neige, ouais, sont... là j'ai vu, c'est des trucs de neige. Elles sont blancs. Et en fait, faut aller à côté d'un feu et les faire fondre. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Trop stylé. Allez, on y arrive. Vous pouvez voir que déjà les couleurs. Les couleurs sont. Un peu plus blanches. Ça ressemble un peu à Minecraft, mais c'est joli. Bah, disons que. Quand t'as un jeu qui fait le précurseur, tous les jeux qui lui ressembleront, ça fera un peu du copier-coller quoi. C'est un peu comme LOL et tout le tralala avec Dota. Ça sera toujours le même truc. Hein. Ok, il y a des donjons qui sont apparus sur la map, mais ils sont plutôt loin. Même très très loin. Donc est-ce qu'on fait une ellipse? Bah déjà on va présenter le biome neige un peu, tu peux montrer ce qu'il y a. Ouais, on va faire ça. Un peu les monstres. Ouais. Et ouais, après on peut faire une petite ellipse et se rendre au donjon. On va faire ça. Je me bats contre 3 buffs. En mode gros bourrin, genre j'esquive même pas quoi. Je viens t'aider. Ouais, je t'attends pour présenter le biome neige et les monstres. Déjà vous pouvez voir que tout, regardez les plantes, c'est ça que je vous parlais. Ice Flower. Elles sont blanches, elles sont vraiment stylées, elles sont classe. Et les bushs, il y a les petits Georges là. Les petits Georges qui sont dans la nature, ben normalement, ils sont verts. Et là, ils sont blancs. Les petits Georges. Eh oui, Georges Bush. Ça, c'est de la blague. Hein. Snowberry Bush. On gagne des snowberries qu'on peut faire des potions qui soignent extrêmement beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. On peut voir que les petits monstres là. Regardez, regardez quel... Je sais pas si t'as déjà rencontré des comme ça, je vais essayer de te le ramener parce qu'il est plutôt marrant. J'arrive. J'ai pas trop visité moi, je suis mieux voir.
Je kiffe vraiment ce monstre. C'est un Inuit. Regardez, il arrive en volant. Qu'est-ce que c'est cette chose? Regarde, oh, je lui ai même pas stun quoi. Regarde ça. J'arrive pas à voir sa tête. Ah merde. Un petit Inuit. La petite Inuit. Bon, allez. On se dépêche. On avait rencontré, on avait tué un ogre. Ouais. Dans l'eau qui avait juste à côté. En fait, il restait dans l'eau, il nageait. Ouais, il nageait dans l'eau, c'était plutôt mort. On l'attaquait, il nageait. Bon, où sont les pingouins? Il y a les pingouins? Ouais. Ok, déjà, il y a des petits lapins. Ils sont toujours blancs, il n'y a rien à changer. Je croise pas trop des monstres typiques du biome neige. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On peut pas tout avoir. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, non. Ok, il y a un buffle, plusieurs buffles. Mais... Ah oui, une nouveauté aussi dans la mise à jour qu'il y a eu récemment. Avant, quand on grimpait sur un mur... Putain, mais qu'est-ce qu'il a? Lui, je vais le buter, lui. Il y a un buffle qui m'a sauté dessus. Parce qu'avant, quand on grimpait dans un mur, la barre de stamina, donc la barre bleue qui apparaît lorsque vous grimpez quelque part, ici, quand vous restez accroché sans bouger, eh bien, tout simplement, votre barre de stamina continue de descendre. Et je dis de la merde, parce qu'elle continue quand même de descendre. Alors, est-ce que c'est que dans le biome neige? Tiens, ça, c'est une particularité sympathique. Non, non, ah, si voilà. Tu restes accroché, ça reste normal. Ah non, c'était le mana que je regardais, je suis vraiment trop con. Donc voilà, la barre de stamina, avant, quand vous grimpez sur quelque chose et que vous ne bougiez plus, votre barre de stamina descendait quand même. Tandis que là, elle se stoppe. Et c'est que quand vous bougez que elle diminue. Donc c'est vraiment un truc pas mal, totalement stupide, parce que le mec, il peut pas rester non plus des heures accroché à un arbre sans bouger. Hein. Mais bon, ça rajoute un peu de... Bien. De tactique quand il va falloir monter à des murs. Oh, le rayon laser, oh, le midlife. Ouais, il fait super mal. C'est scandaleux ce rayon laser qu'il fait, lui. Putain, mais regardez ça, en une tornade, il met midlife quoi. Ah, une petite joueur. Bien joué. Ok, il y a 4 donjons, donc je pense que les 4 donjons, on va vous les présenter à tour de rôle. Et je pense qu'on va directement y aller. Et... Ah, mais t'es à la... Ah, ben voilà. Nickel. Ils sont quand même super loin. Non mais en ellipse on va y aller. Mais là regarde, tiens, le snow runner. Normalement ils sont bleus eux dans le vrai monde. Enfin dans le vrai monde. Une autruche. Voilà, une autruche. Et elle fait gagner 11 d'XP. Ah oh, bah t'as, j'ai level up. Je vais en profiter pour améliorer mes skills. Alors j'ai le delta plane, la monture qui sont niveau 10 et le bateau qui est niveau 9. Tu peux le tuer non? Non, la flemme. Il y a un ogre derrière, il est plus à 10. Bon allez, on va faire une petite liste, on se retrouve juste après. Non. Allez, à tout de suite. Et de retour, et que vois-je au loin? Que vois-je en deltaplane? Un magnifique donjon qui apparaît. Trop stylé cette mise en scène. En deltaplane, on arrive là devant le donjon. Cette mise en scène. Attends. Un vrai chef d'œuvre. Maintenant, reste plus qu'à trouver l'entrée. On se le fait. De quoi? On se le fait, le petit donjon. Ah oh, bah bien sûr, même s'il n'y a pas de quête, les monstres vont rapporter beaucoup quoi. Et puis si c'est un +2, +3. De quoi? Un +2, +3, ce serait bien. Ah ouais, ça serait parfait, surtout un +4 quoi. Un +4, ça serait vraiment exceptionnel. Oh, il a chargé le buff, je l'ai tué juste avant quoi. Bon, allez, je veux l'entrée s'il vous plaît. Le lac est gelé? Non, je ne pense dommage. Pas. Dommage. T'as un 12 d'XP pour une merde pareille. Mais elle est où l'entrée? Il y a la salle du boss juste ici. Il y a le bruit trop chiant des pics. Ouais, le bruit trop chiant des pics, je suis tout à fait d'accord. Ok, j'ai l'entrée. Non, attends. What the fuck? J'ai fait tout le tour, j'ai toujours pas trouvé l'entrée. Si c'est un gros troll des. J'avoue. Ah non, elle est là, on est passé devant. Ah. Alors c'est un blanc. C'est une blague, ils sont blancs. On gagne 7 XP. Bon, c'est quand même ça, on peut quand même le faire en 2 secondes. J'arrive.
Là je pense que tu vas pouvoir aggro tout le donjon. Ouais, on va pouvoir aggro tout le donjon. Bandai. Je t'attends ici. Non, bah on y va, viens, on rush. On y va en rush. Ouais. C'est marrant quand même d'aggro tout le donjon. Moi je me bats avec des machettes, tu vois, c'est... D'ailleurs tu fais pas extrêmement mal. Vas-y, je ramasse mon pas, c'est ma soupe. Ouais, j'ai up. N'oublie pas... Ah bah j'ai... N'oublie pas de... Non, vas-y, moi je vais tout aggro. Putain, je vois que dalle. Vas-y, reviens. Je vais défendre, on fait pas de dégâts. Il y a mon passif qui se déclenche jamais, la foutée. Ah voilà. Quand mon passif se déclenche, on shot. Mec, c'est plus marrant de rush. Attends, les pièces. Oh, mais de toute façon, l'argent il sert à rien dans le jeu. Pour le moment, après tu sais pas, avec les mises à jour. Ok, j'ai trouvé le boss. J'arrive. Il va tout faire. Il est actuellement en train de me défoncer à dos. Bien joué, il pleut d'XP. Moi je me cache. Je laisse tuer les monstres, là je m'occupe du boss. Ok. Juste tu me laisses remettre un hit. Ouais, normalement j'ai tout fini. Par contre, dommage que la caméra, tu vois, ça pointe une titre, que genre quand tu passes devant un mur, qu'elle se rapproche pas parce que. Allez, meurs! On a rien gagné comme XP, 78 à peine. T'as un truc pour Ranger. Non, mais si c'est blanc, rien à battre. C'est vert. Ouais, rien à battre quand même. Bon, voilà, ça fut un court donjon, mais. Qu'on a trouvé sur la route en fait. On n'est pas du tout allé aux épées là-bas. On l'a trouvé. Bah, 2 secondes après avoir fait l'ellipse. Et donc on se dit pas de chute. On se dit rien du tout parce que c'est maintenant. Et de retour, on est enfin arrivé au premier donjon. On a passé la ville, ça y est. Voilà, Duralandville. On a fait un petit bout de chemin pour arriver au premier donjon. On va essayer d'aller se taper le boss. Donc c'est des ruines. Théo. Je monte. Vas-y, essaye d'en aggro et descend. Y'a personne. Oh, s'il y a pas de monstre. Non mais si, y en a. Déjà, on va essayer de trouver le boss. Comme ça, ce sera facile, on l'aura fait. Les ruines, en fait, c'est plusieurs maisons ouais. Qui contiennent des monstres. Au lieu que ce soit un seul bâtiment. Mais là, pour moi, je vois personne. Je sais non plus où t'es. Je vois aucune maison, quoi. C'est chiant. C'est même relou, ça. Ok, il y a un monstre marron. What the fuck? Je me fais poursuivre par un squelette. Ok, meurs. Ah, ils sont plus deux les monstres, c'est pas mal ça. Petit boss. Il doit être de l'autre côté, je pense. Ah, c'est bon, je vois des monstres. Ouais, moi aussi. Attends, laisse-moi venir taper. Ils sont très résistants, eux. Si tu veux poursuivre. Encore là. Allez hop. Un petit stun. Ok, nickel. Je vais te chercher les autres, attends, il y en a plein. Ok. Ne bouge pas de là. Je change un petit truc. Ah oui. Aussi. Attention. J'arrive. Effectivement. Ok, je les attaque. Ok, ils sont à peu près tous. À chacun. Ils sont super rapides aussi. Ouais. Ok, ils sont bientôt morts. C'est bon, ils sont morts.
va chercher le boss. J'espère qu'il est là-bas. Ok, il est pas là-bas, c'est génial. Je me fais poursuivre par 40 monstres. Essaye de venir. Ouais. Mais je te vois pas. Ah, ça. Je me fais vraiment poursuivre par 40 monstres. Oh là là, le boucan que t'as fait. Ah, ça fait mal, ça, hein, frère. C'est un truc de taré, mon gars. Série de 40 kills en un coup. Ah, oh, tu l'as one-shot, lui. Tellement. Vas-y, attends, il y en a plein là-bas, je vais les avoir. Vas-y, reviens. Ouais, t'inquiète. Oh, la faille. Un peu devant, mais ça, c'est pas... Oh non, j'ai fail aussi. J'ai jump avant de stun, du coup je les ai pas stun. Oui, il s'est barré. Ouais. Allez. Allez, meurs, meurs, meurs. Ça va, ils font pas trop mal, donc c'est bien. Nice. Oui, on a droppé deux pièces bleues, enfin t'as droppé parce que tu piques tout à chaque fois. Attends, je vais regarder. J'avais deux amulettes au fait pour toi, tiens. Ouais. On va te voir laquelle tu préfères. Elle non plus, c'est de la merde. Putain. Ah ouais, j'ai droppé une hache pour moi. Nice. Et l'autre c'est un sac pour les mages. Bon, ça serait bien qu'on se dépêche de trouver le boss et qu'on aille faire les autres donjons. Putain, mais normalement il y a une tête de mort qui apparaît là. Il est peut-être caché. Non mais scandaleux. Plutôt énervant. Faut qu'on se sépare. Séparons-nous. Déjà faut rester dans la zone. Ben ouais, je sais, mais... Tu le vois sur la carte, la tête de mort? Non. Non, faut le voir d'abord à l'œil en fait. Ça. Non, je crois. Non. Quand t'approches un donjon, il apparaît directement. C'est chelou. Ouais, je vois trop ce qui se passe. Ah, mais peut-être que le boss il s'est fait tuer. Ah non, pas à ce niveau, je pense pas. Il peut pas se faire tuer par des alliés. J'essaye de savoir où est-ce qu'il y a d'autres maisons, mais... Bon, viens, on se barre d'ici. Non. On va y arriver. Peut-être qu'il apparaît après avoir tué un certain nombre de monstres. Je pense pas. C'est possible. Viens là, j'ai aggro plein de monstres. Tu me vois, tu me vois. Attends, je les pack. Mec, te chie pas. Yeah boy. Vraiment trop bien guerrier. Il meurt. Je faut regarder la zone. Et ouais, mais... Ah, en haut, là-bas. Je pense qu'on a pas du tout exploré... les vraies ruines, tu vois. Quelle vraie ruine? On a dû voir qu'une partie. Non. Non, alors si tu montes là, c'est peut-être trop haut. Ouais. Puis ouais, on est nul, quoi. Comment on peut perdre un boss? Ah, bah attends, là-bas, il y a plein de bâtiments devant moi. Ouais, mais on les a déjà visités, ceux-là. On va rester dans le coin, voir s'il n'y a pas un truc qui descend. C'est peut-être souterrain. Faut pas qu'on tarde trop, parce qu'après, les autres donjons, ils vont disparaître. On n'aura plus de quête pour les autres donjons. Donc bien, je préférerais qu'on change. Parce que là, c'est un gros fail ce qu'on est en train de faire.
Viens, on change, Thorz. Ok, je check le dernier truc. Go au sud-est. Allez, on va faire le chemin avec vous. On est gentil. Non, y'a personne. Ah, c'est vraiment pénible quoi. Je suis sûr, on l'a loupé comme des grosses brêles. Putain. Pas possible d'être aussi nul quand même. Peut-être un bug aussi. Peut-être un bug, effectivement. Parce que c'est pas la première fois que c'est. Ou alors on a mal cherché. Que ça m'arrive. Ah, j'ai un chat. Très bien. Bonjour le chat. Bonjour. Bonjour. Si vous l'entendez miauler, c'est normal. Ouh, le chat. Elle me défonce mon micro. Putain, je suis bloqué dans un arbre, je vois même plus où je vais. Là, je suis tombé dans une montagne, c'est super. Tu me fais faire des bêtises, petit chicha. Cet homme est fou. C'est un chat geek, mec. Ce chat est un geek. Il regarde l'écran, il regarde tout ce qui bouge. Oh, tiens, une grotte. Il y a de l'émeraude, je vais essayer de le prendre. Ouais, hop. Il y a une chose que j'ai one shot. Putain, j'ai pété un câble. On aurait gagné masse XP, on serait passé 40, c'est dommage. On a le temps. T'inquiète. On fait les 3 et puis on revient après. Ouais, je pense. Si on a le temps. T'es sûr, à minuit ça disparaît en fait ? C'est pas sûr que ça disparaît, ça juste ça reset. Donc en fait comme c'est fait aléatoirement, soit ça peut garder les mêmes donjons, ouais, soit okay. Ça peut changer et prendre d'autres donjons qu'il y a sur le biome neige quoi. J'espère que ça change pas trop. Ouais. Allez, on y est bientôt. On y est bientôt. Comme il fait nuit, on voit presque que dalle. Oh, épique. Vraiment épique ce jeu. Allez hop, c'est un château. C'est un putain de château immense, mon gars. Ok, nickel, ça c'est bien. Trop stylé, on va trop XP. J'espère que maintenant ça va être. Plus 3, plus 4. Ouais, franchement, ça serait vraiment le summum. On clôturerait la vidéo sur quelque chose d'exceptionnel. Avec un boss guerrier. Je fais la même arrivée que pour le donjon d'avant. En Deltaplane. Et j'ai trouvé l'entrée du premier coup. Si ça, c'est pas magnifique. Tu veux une médaille? Ah, that fail. Oh merde, j'avais mon Deltaplane. Je pensais atterrir sur un arbre. Je suis allé trop loin. Je suis tombé. Je suis mort. Alors j'étais à l'entrée du donjon. Tu es un noob? Oui. Bon, vas-y, dégage l'écureuil. Tiens, one shot cette fois. Ah oui, regardez ce que j'ai capturé. Alors, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est un truc dégueulasse, c'est une gélatine. Ah, et regardez qui est mignon, le petit pingouin. Bordel. Venez, on va l'envoyer au suicide. J'en voulais trop un, moi. Non, ils sont juste bleus, fuck. Alors, il s'est fait un coup. Bon allez, j'ai arrêté de le mettre en fusil. Oh, il m'a mis un coup de 300 le monstre. Ah, il n'y a plus la bonne shot, mon famille. Bon allez, je reprends mon crocodile. C'est pas trop dur. Quoi? Ils sont pas trop durs les monstres? Non, c'est juste que. En fait, celui-là il apparaît. Et comme je lui ai mis extrêmement de dégâts, il a renvoyé extrêmement de dégâts. Bon, ce donjon, on va pouvoir le rush. Hein. Ok. Donc, je te laisse passer devant. J'arrive, je vois le château au loin. C'est vrai que la vue est pas mal. Ouais.
c'est lui en plus. Je me suis fait attaquer par un roux. Un quoi? Un roux. Quelle est cette chose? C'est un homme roux. Où es-tu? Où es-tu? Je cherche l'entrée. Ah bon? Ah, elle est là où je suis, elle est là où je suis sur l'entrée. Demi-tour. Voilà. Ouais, je suis passé dehors. Bonjour. Bonjour. Allez, vas-y, je te suis. Droite ou gauche? Non, alors, mid-life. Mid-life, les deux. Bonjour. Attends, je les aggro eux parce qu'ils sont mini-piques. Oh. Allez, vas-y, grouille, grouille. Faut qu'on fasse au maximum de donjons. Où es-tu? T'es où, mec? Attends, t'es où? Attends, je ramasse des trucs. On s'en bat les couilles. Ah, mec, t'es où toi? Parce que moi j'ai avancé. Ah, ouais, ok. Mais c'était pas fini, papa. Hé, je suis mort. Comment c'est one shot par des putains de piques? Ah, toi aussi. Putain, ça fait défoncer par les piques, mon gars. Les monstres, ils les traînent pas, les piques? Non. C'est bien. Un peu de technique avec, pour les boss. De quoi? Genre t'essaies de tank le boss dedans et tout. Ouais mais non parce que il est trop con le boss, ça serait trop facile. Ça pourrait être sympa un boss à tuer comme ça. Ouais mais ça serait de 1 trop simple. Parce que je sais pas si t'as vu mais les coups que met la pique c'est du 500 000. Ouais non mais pas autant mais... Le principe. Principe j'y ai pensé mais... Ça serait trop facile quoi. Un peu comme à la Monster Hunter. T'avais un boss qu'il fallait tuer comme ça. Allez, c'est bon, j'ai repris l'entrée. Le boss final de Monster Hunter. T'actives un truc, ça lui met des pics dans la tête. J'ai toujours pas trouvé l'entrée. Bon, allez. Bon, j'arrive. Plus vite que ça. Oh, ouais, j'ai level up. T'arrêtes de tout ramasser, mec. Et les pièces. Surtout plein de trucs inutiles. Oh putain, mais il a fait me tuer. Aïe. Ah, il m'a tué. Oh, y'a un mage, il fait mal. Il m'a pas tué qu'un peu, tu vois. Ouais, il m'a ouvert l'orifice quoi. Bah. Non mais l'entrée elle est juste là en fait. Putain, je sais même pas par où c'est. Vas-y, essaye de me rejoindre. Ok, c'est par là. J'ai trouvé la suite. Je suis parti à gauche en tirant dans le donjon. Mec, attends, j'arrive. Parce que en haut c'est pas fermé mec, on peut continuer. Ouais mais de mon côté aussi. Ok. Putain mais... Ah je suis deg, ils font trop mal. Et là je suis bloqué, putain. Relou. T'es encore mort? Ouais. On est des brels un peu là. Faut qu'on arrête de foncer dans le tas comme des teubés. En fait je crois que ça rejoint le même endroit. Là, je me fais chase. Je me suis pris le mur. Je ramène deux mecs. Non, à l'entrée. Je suis même pas dans le donjon. Ok, je l'ai fait. D'ailleurs, je crois que je suis même pas parti du bon côté. Même pas du tout, tu vois. Du coup, je vais essayer de passer. Je vais essayer d'escalader tout ça. Est-ce que c'est possible, tu penses? Non. Mais si. Non. Si. Non.
Si, 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 si. Allez, 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 tu peux le faire. Oh oui, je l'ai fait. Oh, oh. Machine. Oh, je l'ai fait. Oh là 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 là. On fait quoi en fait? C'est qui le papa? Merde, elle est même pas là l'entrée. Putain, elle fait chier. Oh là là, je me suis bloqué. J'suis en train de me faire tout le long tout seul. C'est ça. Ah, c'est bon, j'ai trouvé l'entrée. T'es parti à droite ou à gauche à l'entrée? Ouais, ça se rejoint. D'accord. Je crois que je te vois. Putain, t'as pas avancé beaucoup. Bah, je fais tout le tour, hein, de l'autre côté. On est pas obligé de tout clean, go tuer le boss, mec. Ces monstres ils drop rien donc on en a rien à foutre. Ah, ben le voilà. Le boss c'est le. T'es chaud? C'est un archer, peut-être une chance de choper un truc. Ah, c'est pas une chance, je suis sûr de choper un truc. Je dépop. Il est bientôt mort, je vois pas sa barre de points de vie. Fais gaffe, y'a les pics, mec. À ta place, je reculerai. Ah, il prend déjà une potion. Oh yeah! Oh yeah, il va chercher le drop là-bas. Oh, je t'ai tué. Alors attends, j'ai chopé les épaulettes. Qui sont meilleures. Oh, d'autres épaulettes moisies. Et un arc qui est moisi. Allez, viens, se casse. Il m'a sous les donjons. On s'est fait troll. Putain, on s'est fait tellement troll par le donjon, mec. Attends, on s'est fait troll. Par le premier truc. Cet épisode, il aurait été full fail, mec. Comme c'est abusé. Ah, notre aventure s'accompagne de la joie, de la bonne humeur. Et dans les maxi fails. Bon, est-ce qu'on arrête ici? Dans la prochaine vidéo, on ira au prochain donjon? Bah, on peut continuer. Hein. On peut continuer? On fait tous les donjons. Bon, bah, puis on fait une ellipse et on se retrouve au donjon. Alors, que donne le combat d'un crocodile face à un mammouth? Voici la réponse. Le mammouth attaque dans le vide. Le crocodile, tant bien que mal, essaye de faire des dégâts au mammouth. Le mammouth perd 0 HP. Ah si, il est midlife. Oh, balèze le crocodile. Croco qui se flotte. Croco vs mammouth, mec. OP. Il fait un boucan le mammouth, mais c'est scandaleux. Écoutez ça. Du coup, je pars au prochain, moi. Tu pars au prochain donjon? Allez, c'est parti, moi je vais me le faire. Allez, 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 allez. Ah, il prend trop cher, il prend trop cher. Mammouth, mammouth. Eh, mammouth, t'es mort. 330 XP. Oh, bien joué. Tu vois, le boss, il m'a donné que 100. Et toi, t'as gagné 330 de la quête, donc... Tu vois, c'est quand même bénéfique. Du coup, je suis passé 41. Nice. Je suis 40. Allez, on va essayer de faire l'autre donjon. Et on se retrouve juste après. Attends, les mes amis, il faut que je filme ça. On est en route pour le donjon. Vas-y, avance, avance, avance. Regardez ça. Towards Fall. En fait, il pète tellement fort que ça lui permet de voler. Non, c'est parce que je suis Dieu, tu vois. Oh, c'est... rate le chevalier. Il a totalement le deck, mec. Ah, c'était juste épique. En fait, pour vous dire là, on était en train de se diriger vers le quatrième donjon. Sauf que Twarz, je viens d'apprendre qu'il faisait tout ça à pied. Ce trou du cul faisait tout ça à pied. Au lieu de monter sur sa sur son cheval, le mec, il marchait. Il marchait. Il marchait. Et non, je planais. Ouais, tu planais, mais ça va beaucoup moins vite que le cheval, quoi. Cheval, le cheval. Non, je ne t'autorise pas à faire cette blague. Ah mon dieu. Comment as-tu pu faire cela? Allez, reprends ta monture. Il est trop lent. Ah, miséricorde. Ouais. Bon allez, on se retrouve au donjon. Et tout doucement, on se rapproche du donjon. Parce que là, si j'appuie sur M, on ne voit rien. On sait que c'est par ici. Mais on sait pas exactement. On n'arrive pas à cerner si c'est un donjon, des ruines. On sait pas ce que c'est. Pour une fois, Twarz va peut-être y être avant moi. C'est un boss tout seul, je pense. Non. Oh oui, putain, t'as raison en plus. Oh, c'est un. Oh, regarde comme il est gros. Fuck. Hein? Oh, c'est un Yeti. Allez, c'est parti.
Putain, il fait que des miss. Attends, je vais le débloquer de là-haut. Oh, je l'ai stun. Oh putain, le saut qu'il a fait. Oh mon dieu. Putain. Oh putain. Allez. C'est qui fait plus mal? Bon, écoute, Yeti, regarde. Quoi? Je t'explique, je suis une daron. Non, je vais mourir. Je t'explique qui c'est le papa. Allez, viens mourir. Et c'est la fin. Et je suis passé 42, youhou. Nice, level 42, c'est bien ça. Oh, une carotte, j'ai droppé. Et c'est sur ce kill de boss que nous allons achever cet épisode. Dans la nuit et dans la tristesse de n'avoir pu être neige. Ouais, de n'être tombé que sur des donjons pourris. Je dis bien pourris. Le Yeti était rentable. Ouais, le Yeti. 5 secondes, 500 XP quasiment. C'est vrai que dans ce point de vue là, c'est plutôt rentable. Voilà, voilà. Bon, et on s'est fait douiller. Ouais, on s'est fait douiller là. Le premier là. Ouais. Bon, tant pis. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour l'épisode 3. Pour une prochaine aventure. Allez, bye bye. Bye.